92歳の誕生日を迎えたマドレーヌ。Mais t'es contente, maman? Il y a maman qui veut faire un discours. Mes chéris, d'abord, merci. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Voilà, ce sera le 17 octobre, dans deux mois. Mon métier, c'est de le sauver. De quoi? Il y a des lois et je dois les appliquer. Je ne veux pas subir votre loi. Elle a même tagué la camionnette d'une supérette qui faisait des prix trop chers. Elle est juste très déterminée. On en avait parlé depuis des années et vous étiez d'accord. Arrête! Laisse-nous du temps, je t'en supplie. Les sans-papiers, le droit à mourir, la défense des femmes africaines, c'est toute faite, mais c'est terminé, maman, c'est terminé maintenant! Perfusée, coincée, réduite à rien. Jamais je ne finirai ma vie à l'hôpital. J'ai envie de dévorer des trucs qui font grossir. Les enfants ne connaîtront pas le bazar que j'ai connu après la mort de papa. Mais dans votre cercueil, là, vous allez le clouer vous-même aussi? On est à 92 piges, elle est moins coincée que toi. Elle est libre et c'est ça qui vous rend ouf. Je voulais lui rendre visite pour me prévenir. Tu sais ce que j'aime le plus en toi? C'est ta foi. M'amuser, tu vas jusqu'au bout, toujours. Pense à ta mère, Max. Elle aura besoin de son fils. 自分らしく生きる。最後まで信念を貫いて生きる母と、彼女を支え続ける娘。実話から生まれた感動の物語。92歳のパリジェンヌ。